Je reviens donc d'un séjour en Guadeloupe. Donc j'ai pu prendre pas mal de contacts, avoir des informations sur ce qui est déjà fait sur le territoire et ce qui mériterait d'être modifié ou supprimé. Donc au niveau des déchets notamment, au niveau de la pollution des sols. Pour cette session, on a vraiment affiné nos choix. On a une liste au sein de Se Nourrir, une liste de 14 propositions qui sont déjà bien définies. Mais il faut encore qu'on creuse sur certains détails qui peut-être seront importants pour la suite. Par exemple, on essaie de gérer les déchets organiques. Donc c'est vrai qu'on a pensé au compostage, on a pensé aussi à la méthanisation et on a aussi pensé à l'alimentation animale. Je pense que le temps le plus fort de ce week-end, c'est la rencontre avec Nicolas Hulot. C'est vrai qu'on l'attendait. Depuis le début de la convention, on nous a demandé qui on aimerait rencontrer. Et à travers sa fondation, à travers ses projets à lui, on s'est beaucoup retrouvés pour notre objectif. Et donc on a tenu à ce qu'il soit là et on a eu sa visite. Il a répondu à certaines de nos interrogations. Il nous a mis des vérités aussi en face, au sujet du budget par exemple, ou de la confrontation avec certaines lois. Ça nous permettra en tout cas de mieux se préparer pour les prochaines sessions. Il faut se renseigner sur la gestion des déchets par exemple, le tri, ou encore sur le mode d'alimentation, l'agriculture, l'agroécologie. Donc c'est sur ça principalement qu'on essaie de travailler. Et donc ce sera surtout ça pour les prochaines sessions, en tout cas le plus important.